T'as pas mal de jeux comme ça où le jeu est fait pour être joué en multi, et si tu joues tout seul, bon bah tu peux y jouer tout seul mais tu vas pas t'amuser, ça, tu vas juste te faire bully. Salut. Ah merde, je suis sur le build spécial. Attention. Hachette chargée, je vais devoir monter le son du jeu. C'est bon, c'est nickel. J'ai peur de prendre une hachette, mais non, c'est bon, elle est sur Zarina. Ok, nickel. Ouais, c'était du coup sur vote dans la journée de mardi dernier. Il était gratuit lundi et mardi. Ouais. Pourquoi tu lâches Eugène? Merci beaucoup, Tata Voyette. Merci pour le raid, ça fait super plaisir. Un grand merci à toi, comment tu vas? J'espère que ton laisse va passer. Ça a été? Attends, elle a secousse? Écho de douleur, chant. Oh, t'as de la chance. Non, y'a pas écho de douleur. Ah, oh, c'est ballot. Bien joué. Eh, GG. Bravo. Bravo, bravo. De belles hachettes, ça rigole pas. Merci pour le raid. T'étais sur quel jeu, dis-moi? Ouais, c'était chouette, on a fait du Zelda. Nice. Et du Dead by Daylight, les games étaient plutôt sympas. Ah, c'est cool ça, des bonnes games sur DBD. Nickel. Ah, j'espère que j'en aurai aussi aujourd'hui. Hier, on a fait des games en surf, c'était pas évident. J'ai dû focus la partie en tueur parce que en survivant, c'était vraiment pas ça quoi. Merci encore pour le raid, merci beaucoup, c'est super cool. Bienvenue les amis. Salut, c'est pas moi. C'est pas moi qui a lag. C'est bien ça le pseudo hein. C'est bien ça ton nom. C'est pas moi qui a lag. C'est bien ça. Bienvenue sur stream. Salut Vox. Salut Alison. Bienvenue à vous les amis. Welcome. Bon, je suis P1. On a Zarina qui est P1. On a fait 2 gènes. J'avais pas prévu de partir avec ce build. J'aurais pu saboter en plus hein. Le truc c'est que là, elle a back save. Elle est là. Ok. Oh putain. Ah, elle a géré, elle a géré. Nickel. Impec. C'est quoi comme build? C'est un build spécial du coup pour tenter des... Oh merde, la petite vocation. J'ai vu qu'elle était repartie en arrière, mais trop tard, malheureusement. C'est l'heure de la P2. C'est ça, c'est pour saboter. C'est pour flasher le tueur également avec des grenades. Mais... j'aurais pas dû partir sur ce build là, mais j'ai pas fait gaffe. J'ai lancé la première game sur la DM Park. J'aurais préféré partir avec le build avec lequel je joue habituellement. Allez, l'idéal pour elle, ça serait de venir sur moi, de me tunnel et de me tuer, comme ça elle pourrait gagner sa game. Moi, c'est ce qu'elle est en train de faire.
Oh merde. Allez, on va essayer de relever la copine là-bas. L'autre est focus le gène, let's go. Vas-y, let's go. Elle m'a vu, non? Moi, faut que je me cache. Je suis P2. Faut pas qu'elle puisse me retrouver. Dommage que j'ai pas ma grenade disponible. Eh merde! Elle la repose ou pas? Au moins y'a pas écho de douleur qui va se déclencher, même si bon, le générateur là il est. Oh, quoique, on a un générateur qui est vachement bien avancé ici donc! Oh la vache! Oh, j'ai le carry! Oh, mon sabotage il a fait le café! Oh la vache! Bon, mon but il a servi à rien à part mon sabotage. Ouais, je veux bien soin. Vas-y, merci. Nickel. On a empêché les côtes douleurs et du coup, ouais, nickel. Ouais, le sabot qui a carry de ouf. Parce que je pense qu'elle a... C'est sûr qu'elle a les côtes douleurs. Hein. Je vois pas ce qu'elle pourrait avoir d'autre comme perk. A mon avis, elle a le combo écho de douleur, faudrage. Bon, maintenant, on va essayer de faire fonctionner une grenade, si possible. Ça serait cool. Hop, voilà, nickel. Elle est P0, donc c'est worse en vrai, c'est cool. Si elle se fait accrocher, c'est nickel. Ok, c'est bon, j'ai rechargé. Wow, la hachette qu'elle lui a mis. Attends, comment elle a fait ça? C'est beau. Oh, fuck. Elle va pouvoir me mettre la hachette, là. Non? Ah merde, c'est sur elle qu'elle est. Ok, d'accord. J'ai rien moi. M1. Elle va au bout de la chase ou pas? Ah ouais. On va peut-être pouvoir la relever, la copine. Elle a été relevée, nickel. Par contre, pour ouvrir la porte à côté, good luck, ouais, c'est compliqué. Elle avait la porte, elle était sur colline et tout. Si elle accroche, on peut sortir. Ouais, il faut sortir. Bah écoute, c'était chaud comme game, hein, mais ça va. Bien joué. Ah ouais, non, c'est nickel. Je pense que Néa aussi, elle peut sortir. Parce qu'il y a une autre porte qui a été ouverte, donc c'est Néa qui a ouvert l'autre porte. La porte sur laquelle on était, elle était à 99%, et l'autre porte était ouverte par Néa. Un seul kill. C'est cool. Chasseuse P100, bah putain, la vache. Elle a envoyé des hachettes de l'espace.
Ça se ressentait. Ah, elle avait pas écho de douleur par contre, non. Elle avait flot de rage. Elle avait un build full repérage d'aura. Pas d'addon. Ok. GG. Salut Mister Blue, ça va ou quoi? T'as une carie? Ah merde, tu vas devoir aller chez le dentiste. J'ai revu ta vidéo hier. Quand tu joues à Saw. Ouais, il est trop bien ce jeu, t'as vu? Alors, il date un peu, mais je trouve qu'il a pas mal vieilli. Non, ouais, je trouve qu'il a vraiment pas mal vieilli le jeu et c'était un vrai kiff de le faire en stream. On a fait une belle session dessus, c'était grave cool. Je l'ai fait avec le piège joueur Saint-Vincent en plus pendant toute l'aventure. J'avais pas remarqué, t'as changé de pseudo sur DBD? Non, non, j'ai juste enlevé. Je suis passé en mode anonyme. C'est juste histoire de déranger personne. Voilà, comme ça, c'est chill en vrai. Dommage de ne pas pouvoir. Dommage de ne pas avoir eu d'autres jeux dans ce style. Tu t'appelles vous? Ouais, j'ai voulu m'appeler vous. Je trouve que c'est plus stylé, tu vois, que Vark 31. Après Vark 31, vous 31. Voilà, let's go. Oh putain. Avec le masque, c'était énorme. Ouais, avec le masque, c'était cool, ouais. Ah, je me suis bien éclaté à faire la miniature et tout. On doit vous voyez maintenant. Ouais, vous devez me vous voyez, s'il vous plaît. Non, 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 c'est mort, putain. T'as même au bar, les clients, quand ils arrivaient, qui commençaient à me vouvoyer, je leur disais, non, mais c'est bon, tutoyez-moi, les gars, tranquille. Tranquille. Si vous commencez à me vouvoyer ici, je vais péter un câble. Vous égale papy. Alors ouais et non. C'est-à-dire que j'avais des gens qui arrivaient au bar, ils avaient 50 ans, tu vois, ou 60 ans. Et je les tutoyais. Mais ils étaient contents. Bon, t'en avais qui trouvaient ça déplacé. Mais moi, mon but, tu vois, c'était de mettre les gens bien, tu vois, un peu comme à la maison, tranquille, en mode chill, c'est... Le vouvoiement, ça met une distance, je trouve, tu vois, c'est un peu dommage. Ça met des barrières, en fait, le vouvoiement. Et même, tu vois, si demain j'ouvre un bar, je tutoierais tous les clients. C'est ce que m'expliquait mon patron, tu vois. Je disais, mais quand j'ai un mec qui arrive dans le bar, il est en costard cravate. Ça crée une distance. Il me dit, non, tu t'en fous de la manière dans laquelle s'habille la personne. Il dit, c'est pas parce qu'il est habillé comme ça que tu vas le vouvoyer ou le tutoyer. C'est juste fait comme ça pour tout le monde et puis on n'en parle plus. Et c'est ce que je faisais. Et les gens, ils s'appréciaient de manière générale. C'était rare les gens qui me demandaient de les vouvoyer. C'est même quasiment jamais arrivé en vrai. Votre Altesse. Oh putain, t'imagines. Tu te moques de moi avec moi, Alan, mais toi aussi, tu ne prends plus Néa. Non, mais ouais, mais c'est à cause de mon prestige champ. C'est à cause de ça. Salut, M. Chapeau. Non, on n'a pas de date pour l'instant. Bonjour, Camille. J'ai du mal avec le vous. Si je vous, c'est que je peux pas voir la personne. Ah, moi, ça m'arrivera de vous voyez après, tu vois. Genre dans toutes les situations classiques, tu vas à la banque, tu vas au supermarché, t'achètes des trucs, merci à vous, voilà tu vois, enfin... Mais moi si je suis dans un bar et que c'est moi tu vois qui gère, je suis serveur ou barman ou autre... Après serveur c'est encore différent tu vois, il y a une distance avec le client, mais quand t'es au bar tu vois c'est différent, c'est plus familier je trouve, c'est plus sympathique, c'est plus... Tu peux tendre la perche au client facilement tu vois en mode cassé, tu peux briser la glace instant tu vois en tutoyant la personne et je trouve que c'est mieux. Mais après, oui, voilà, t'as la politesse basique quand tu connais pas la personne. Il y a la distance, tu vois, c'est logique. Mais après, tu vois, ici, entre guillemets, c'est un peu voilà, c'est un peu ma chaîne. Et du coup, bah moi, je vous tutoie tous. Et je pars du principe que vous devez tous me tutoyer. C'est... Voilà, je trouve que c'est plus sympathique, en vrai. Des fois, il y a des gens, ils arrivent sur stream, ils me vouvoient. Mais après, je comprends une fois de plus aussi. Hein. C'est une marque de respect, tu vois. Mais moi, je leur dis tout de suite, non, vas-y, tutoie-moi. T'inquiète, c'est cool. Ici, c'est une chaîne familiale en vrai, donc si on doit se vouvoyer, ça va être un peu chiant, quoi. Je trouve que c'est un peu triste. Générateur direct, ok. Je me mets en hauteur, comme ça, je peux repérer le tueur. Allez, nickel. La boîte à outils pour compenser le fait que je me suis mis sur la colline.
Oh putain, GG, il a envoyé en plein sur le truc. Il aurait pu se téléporter là. Il lâche l'affaire, non? Nice. Tiens, cadeau. Oh merde, ce chien. Il est là. Bien joué. J'aurais dû anticiper ça. J'ai mal joué, j'ai hyper mal joué en vrai. Ah, j'ai hyper mal joué. Dommage. Ah, c'est vrai que quand tu l'affrontes, lui, quand il est à l'intérieur du bâtiment, faut toujours mettre une distance, faut être au moins à 1 mètre du bâtiment. Comme ça, quand il tente les hits qu'il a fait du coup contre le mur, il n'y a pas la portée, donc il n'y a pas la portée de son attaque. Elle passe pas. Je suis boulanger. Je vous vois rarement mes clients. C'est plus famille. Il y en a, j'ai vu leurs gamins grandir, leur mariage, leur baptême et leur divorce. Dans certaines familles, les gens se voient. Ouais, la tristesse. Ah, ça existe plus trop maintenant, ça, mais à l'époque, ouais, ça se faisait, quoi. Mère, pourriez-vous, s'il vous plaît, me passer le sel? La déprime, sans déconner, au secours. Ah, j'aurais envie de crever. Ah ouais. Ah, j'aurais envie de crever, franchement. T'imagines? Vous allez bien? Ça va, et vous, Camille, comment allez-vous? Comment vous portez-vous aujourd'hui? Elle a supprimé les clones qu'il y avait. Nice. Au pire, je prends la prochaine chaise. C'est téléporté, non? Trop bizarre de voir la bulle sur la tête, tu sais. Allez, go! Ah, il est pas mal positionné son sbire là. Son clone. Ma journée d'anniversaire qui commence sur du DVD, c'est top. Joyeux anniversaire, le baron! Happy birthday, poulet. Salut, Dame T-Rex! Ok, elle a réussi à enlever le... Elle a réussi à enlever le marquage, c'est nickel. Steve aussi, quasiment. C'est bon, il a enlevé le marquage. Elle vient de tomber, malheureusement. Steve, il est pas loin. Et on va se prendre les coups de douleur, c'est pas grave. Ah non, il a déjà mis les coups de douleur avec elle. Il est plus que réglo. Il est plus que réglo, franchement, il joue ultra, il joue vraiment ultra fer. Là, les P2, il aurait pu être tenté de tunnel, quoi. Il aurait eu un kill et il aurait été à l'aise sur sa game.
Il joue plus. Fais quoi, il veut plus jouer. Bah la game elle était bien, c'est dommage. Ouais, ça part en game de farm. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il s'est mis à troller avec Steve. Il s'est mis à troll avec Steve et bah, du coup ça joue plus. Bon bah écoute. Ou peut-être que ça joue à moitié, je sais pas. Salut Fabien, salut à toi. Ouais, elle était trop bien. Non, elle était bien, elle était bien. Tu es fort en avance sur ton panning. Ouais, on est fort en avance parce qu'on a terminé un jeu. On a passé 1h30 dessus et il restait une heure à faire. Mais je me suis dit, le temps de trouver un jeu, de le démarrer, etc., ça nous fera arriver à la bourse sur Dead Battlelight. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va aller sur DBD avec un peu d'avance. D'habitude, on arrive sur Dead Battlelight avec un peu de retard. Donc, pour compenser, cette fois-ci, c'est l'inverse. Tu vois le truc? Salut Killerman, merci pour le Prime. Merci ton abonnement, merci, ça tient plaît. Ouais, il est tombé in love, je sais pas, ouais. À mon avis, il est tombé amoureux, effectivement, ouais, je pense. Mais le jeu était sympa. Je sors la vidéo demain sur YouTube si jamais tu veux, Fabien. Demain, elle sera dispo sur YouTube. J'ai des gameplays survivants aussi en réserve qu'il faudrait que je sorte. Samedi, vous aurez une vidéo survivant sur DBD. Et dimanche, je sais pas. Dimanche, ah oui, j'ai le gameplay clown à sortir. Et pour compenser, on aura du Isaac plus tôt aussi. S'il y a beaucoup de demandes pour Isaac, après, moi, je repars sur 3 sessions par semaine. Hein. Mais je veux faire un test, en vrai, la semaine prochaine. Moi, en killer, je kill jamais les vitaux. Je les laisse toujours en vie. Ouais, c'est ton survivant fétiche. C'est ton survivant favori. Moi, c'est Néa. Néa, j'ai du mal à tuer Néa à chaque fois, c'est... Ouais, je sais pas, c'est le coup de cœur, tu vois, j'ai du mal à la tuer. À 14h, j'ai un peu d'avance sur le panning. On peut faire une run rapide sur Isaac à 16h30. Je suis en retard! Il faut que je speedrun pour clore la partie, je te jure. Oh merde, je suis rentré dans le truc. Eh merde. Oh, je suis au pire spot ever. Bien joué. Salut Ghosty... Ghostyoki. Salut Major! Salut Marius! Ça va les amis? Ouais, j'ai le jeu il m'a saoulé instant. Je te jure Fabien. En fait non, le jeu est complètement différent de ce qu'ils ont proposé dans la démo. J'ai été déçu. Genre j'ai zéro hype quand je joue à Deep Rock Survivor. Actuellement. C'est insane. J'ai vraiment aucune hype sur le jeu. Relou. Mais quel relou. Mais laisse-le l'accrocher putain, il veut être accroché. Ah la relou. Ah la relou, je te jure. Ah, il voulait pas qu'il accroche. Oh, ça fait mal. Pas même moi, je dois d'ici 3 flashs. Ah, ça doit être ça. Ah ouais, ça doit être ça. Elle a un défi, ouais. Bon allez, au revoir, on va pas y passer diplôme. Merci au tueur en tout cas, c'est gentil. Il voulait chill à la fin. Il y a un défi 3 flashs en game, j'en profite.
comprends, je comprends. Ah, le défi où tu dois aveugler et tuer 3 fois une game, où c'est un des défis les plus compliqués, ouais. Enfin, tu dois faire des flash save, pardon. C'est vrai que c'est... pas un défi simple, hein. On va pas se mentir. Tac. 14h30. Triste alors que tu étais dingo de la démo. Ah, la démo elle m'a rendu fou, mais c'était génial. Et le jeu quand il est sorti, bah je l'ai trouvé éclaté. En fait c'est frustrant à jouer. La difficulté est trop haute pour un jeu comme ça, je trouve. Et surtout en fait c'est frustrant parce que dans la démo en fait on t'a... T'avais le temps. T'avais vraiment le temps dans la démo. Et là c'est l'opposé en fait. Si t'as à peine démarré du coup ta run, que tu dois tout de suite t'extraire. Tu peux pas rester un peu plus. C'est... Je trouve ça mais extrêmement frustrant par rapport à la démo. Et après vous avez été nombreux à partager votre avis et à trouver... Et à avoir du coup la même déception que moi par rapport à ce... Par rapport à ça. Donc bon. Je suis rassuré hein. Mais du coup ouais je m'amuse pas sur le jeu. Je me suis amusé à aller 10 heures et puis après ça m'a saoulé quoi. Salut Harry, bienvenue sur le live. Non, c'est pas ma cam en vrai, c'est des jeux qui se jouent en plusieurs et il faut être en vocal. Du coup, non. Non, c'est pas ma cam. Mais ouais, ça a l'air sympa. Je remets les amis. Le streamer est là, les amis. Nous sommes là. Je me suis lancé un truc à graille, vite fait. Salut, Florix. La forme est toi, poulet, ça va? Tu manges quoi ce midi? Ravioli avec du parmesan. Des raviolis aux légumes. C'est vraiment le truc pour se nourrir, hein. Ça cuit dans la casserole à petit feu tranquille. À la fin de la game, j'irai la récupérer. Je mets un peu de parmesan par-dessus et bim. On avale ça en 3 cuillères. On se fait un café et on est prêt et on est bien jusqu'à 20h. Salut Jess. Toi, tu mets du parmesan partout. Ouais, parce que c'est bon en vrai comme fromage. C'est tellement bon. Ça parfume et tout. Ah les raviolis c'est trop bon, c'est la base, putain, Midwitch. Ok, si c'est Nurse, en vrai je joue pas les amis. Nurse ou Sadako, je joue pas. Désolé, hein, vous connaissez... Vous connaissez le délire, on en a déjà parlé plein de fois. Salut Enzerfist.
Comment il va? Les 42 mois, merci Poulet, tu gères. Merci infiniment. Il était comment le jeu d'horreur que t'as fait tout à l'heure? Il était trop bien. Je mets la vidéo demain sur YouTube si tu veux. Demain, la vidéo elle sort à midi pétante sur YouTube. Ouais, parmesan, c'est la vie, ouais, grave. École primaire, Medwitch. Medwitch. J'espère que c'est pas une heure, ça, parce que sinon, vraiment, shame on you. Hein. Ah, c'est Billy. Non, c'est Lélé. Non, pardon, c'est Lélé. Bon, va falloir réparer vite parce qu'on va plus avoir beaucoup de... On va se retrouver en galère de gêne, de palette. Elle va tout baisser. Mais elle a raison après, hein, il faut tenir. C'est un petit délai. Non, il n'y a pas de... Aujourd'hui, pas de vidéo, non. Non. J'ai mis une vidéo hier. J'en ai pas mis aujourd'hui. Jeudi, je mets pas de vidéo normalement. Enfin, ça dépend. J'en mets une demain, j'en mets une samedi et dimanche. Je mets 5 vidéos semaine en ce moment. Une vidéo d'horreur et 4 vidéos DVD. Ou des fois 3 vidéos d'horreur. Hier, il n'y en avait pas. Il y en avait... En fait, il y a eu 2 vidéos mardi, c'est pour ça. Ils sont en bas. Il est parti de haut, j'espère. Non, sérieux. Je suis là, t'inquiète. Vas-y, tiens le coup, mon pote. Non, surtout, ne te déhook pas. Il l'a récupéré, ok, elle a géré. Il va nous foncer dessus, tu le sais, hein. Ouais, il nous fonce dessus. Je prends la chase, vas-y, let's go. C'est un bon spot ici pour le tenir. Il y a moyen de se coincer, là. Nice. Il va lâcher l'affaire, je pense. Allez, continue. Tiens, vas-y, mange la palette. Une casse. Ok, il lâche l'affaire. Il a vu que je tenais un petit peu, du coup, il a changé de cible. Il essaiera de me surprendre. Putain, j'entends le rayon de terreur à balle, ça fait flipper. Ok. Ouais, mais il a raison. Il a mis un énorme coup de pression en faisant ça. Hein. Franchement, j'ai lui. Hein. Il a slug parce qu'il avait le survivant près de lui et il m'a obligé en fait à lâcher mon gène. C'est énorme ce qui s'est passé, t'as vu. Du coup, 0 générateur pour l'instant avec 2 accrochages. C'est worse. Le slug qu'il a fait là, c'était... ça nous a mis mal. Et s'il avait couché en plus Ace, on était dans la merde. C'est pour ça qu'il m'a obligé en fait à lâcher mon gène. J'avais pas le choix. Donc il a ralenti énormément la progression des gènes. Ah fuck. Ça c'est dommage. Ah, une fois qu'il n'y a plus de palette, après t'es mort. Hein. C'est ça le truc. Ouais, Midwitch, tu vois, avec Lélé, c'est une fois qu'il n'y a plus de palette, toi, en tant que survivant, tu fais quoi? T'es dans la sauce. Vas-y, go, on close. Elle va devoir changer de gen. Ace reprend la chase, let's go. Par rapport au nombre de palettes qui va rester, on va être un peu dans la sauce, je pense. On va aller en bas, il doit y avoir un générateur ici, sûrement. Ou dans la cour. Oh, il a été fait celui de la cour, ils ont géré. Là, il peut y avoir un gène aussi, il y est pas. Ok, ici. Il assure. Je suis désolé. Un pass, ouais, un pass, c'est super fort. C'est une des meilleures perks de défense. Salut Touzo, ça va ou quoi?
Mais ouais, on en voit jamais des lélés. C'est rare, hein. Bah en ce moment, moi, je vois souvent les mêmes tueurs. Hein. Je vois souvent du tueur A-tier, S-tier. Souvent du A ou du S-tier. Tu me fais peur à partir comme ça. Réparateur ? Honnêtement, c'est possible un réparateur. Ah ouais, non, mais moi aussi j'ai peur. Je vois qu'il est entier, c'est avec personne en plus. Il est toujours entier, c'est avec personne, c'est chaud là. Ça fait peur. En plus, c'est un classique, hein, réparateur sur les dés. Mais je crois qu'il a give up, hein. Ouais, en vrai, regarde, il a give up à mon avis. Hein. Je te soigne ? Non ? Je crois que le tueur il a give up. C'est le bruit du casier qui s'ouvre et qui se referme, ok. Ou alors il a... Insidieux. Insidieux. Salut Ryan. Ça va ou quoi? C'est quoi ton avis avec Nurse et Sadako? Ah, tu parles de ma réaction par rapport au fait que j'ai dit si jamais on tombait sur une Nurse ou sur une Sadako sur cette map, j'avais pas envie de jouer, c'est ça? En fait, Sadako ici, et sur les maps en intérieur de ce type là, je trouve que c'est abusé. Dans le sens où tu peux monter en fait la condamnation extrêmement vite, tu peux enchaîner les téléportations du coup sur les télés. Et toi du coup comme la télé des fois elle peut être en haut et toi t'es en bas et inversement, bah des fois en fait tu peux pas atteindre la télé avant qu'elle se téléporte dessus et du coup tu peux des fois rien faire. Et voir ton niveau de condamnation monter très très vite, vraiment. Et je trouve que c'est abusé personnellement. Sadako c'est un tueur qui est faible, mais sur cette map là en fait, c'est une horreur à affronter, vraiment. On avait fait une game avec Merku, depuis son rework, hein. Depuis son rework d'année. On avait fait une game avec Merku, et je te jure, mais il faut pas qu'il reste à côté, ils font quoi? Mais... On avait fait une game avec Merku du coup, et Merku en fait, sans aucune exagération, hein. Sans troller, sans abuser, etc, etc. Merku, elle est passée de P0. Elle est passée, du coup, en phase 5 de condamnation. En 20 secondes. En 20 secondes, je vous jure, sans exagérer. Sadako s'est téléportée en chaîne. Merku, du coup, bah, elle essayait de choper une cassette ou autre. Elle s'est téléportée en chaîne, du coup, Sadako. La condamnation de Merku en 20 secondes, elle est passée, du coup, de 0 à 5. C'était... C'est n'importe quoi. Ça n'avait aucun sens. Ah, j'ai merdé, ouais. Je me suis dit, bon là, il est tombé, vas-y, let's go. Mais il avait encore de la charge de la tronçonneuse, j'ai merdé. Tant pis. Trop altruiste. Il va attendre qu'il passe P2. Ouais, mais en fait, à la fin, en fait, c'est à toi de voir. C'est à toi de réfléchir à ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que t'as envie de... Est-ce que t'as envie de tenter un truc héroïque, mais qui est vraiment genre kamikaze, quoi? Ou est-ce que tu veux sécuriser ta... Est-ce que tu veux sécuriser, du coup, ton échappé, quoi? C'est... Voilà, est-ce que t'as envie vraiment de t'échapper ou est-ce que tu t'en fous? C'est ça le truc. Si tu veux être sûr de t'échapper, en fait, avec Ace, on aurait juste dû partir et laisser deux, en fait, ou laisser un des deux, tu vois, attendre un petit peu et faire en sorte que l'autre s'éloigne. Mais ils étaient vraiment proches, en fait, ils ont merdé. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils étaient contact, les deux. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est récupérer et s'éloigner le plus rapidement possible. Mais du coup, le temps de récupérer et tout, enfin, c'est la galère, quoi. Fin de partie compliquée, quoi.
Moi, il faut que j'arrête de faire les QTE, il faut que l'autre puisse s'échapper par la trappe. Allez, crève, vite. Tu aurais pu attendre 5 secondes pour voir s'il y avait une... Non mais j'ai merdé, j'étais en train de parler en même temps et j'étais pas focus sur l'action en fait. J'aurais dû me concentrer sur la game, c'est pas grave. Attrape peut-être. À une demi-seconde près. Allez. Elle attrape. Arrête. Il a mouru, je crois, non? Ah, elle est morte d'hémorragie, la pauvre. Ouais, non mais c'est pas grave en vrai, c'est comme ça, c'est à moi d'être focus, mais en vrai c'est pas grave. D'un côté la personne au sol aurait dû s'éloigner du crochet, c'est ça, il faut s'éloigner instant en fait du crochet et récupérer presque après en fait. Quand tu... En fait dans ce genre de situation, c'est si t'es proche du crochet, c'est la merde en fait, le tueur il a un survivant en état critique par terre et il a un survivant accroché et c'est la fin de partie du coup, il y a... Tu campes, let's go, c'est trop bien tu vois, enfin c'est trop bien, pour le tueur quoi. Et pour nous, en fait, il faut que le survivant s'éloigne. Comme ça, en fait, le tueur, ça lui met une pression. Il a deux spots, en fait, à checker. Et nous, en fait, on attend qu'il fasse une erreur ou qu'il ait son attention trop d'un côté ou trop de l'autre pour se courir d'un côté ou de l'autre, tu vois. C'est ça, le truc. C'est ça, le truc que je vais faire, en fait. Mais ouais, si t'as les deux qui sont en contact, mais tu peux rien faire, toi. Tu dois attendre qu'il s'éloigne. Sinon, bah, il va y avoir un troisième survivant qui va tomber en état critique. Mais voilà, après, moi, mon move, j'ai merdé, en fait. J'étais à moitié concentré. J'ai vu qu'il avait tombé du coup Ace, j'ai pas vraiment évalué la distance, donc j'ai voulu foncer pour l'aider Hook. Au final, il était déjà contact. Il était déjà là. Donc bon. Bah tant pis, hein. En dehors de la fin de partie, la game était assez rapide, quoi. On a pu prendre qu'une seule chase, et au final, bon, tant pis. Mais ça va, il y a pire comme game. Je reviens, les amis, je vais chercher mon repas, du coup. Temple de la purgation. Vas-y, let's go. Silent Hill, Papa Geek. Silent Hill. Zev Elwavin.
Raté. Allez, j'en ai profité pour terminer mon repas, ça tombait bien. Ah merde, je me suis pas fait un café par contre. Ça craint. Faut que je me fasse un café. Jamais je vais tenir la journée sans mon café. Chapitre Dead Space, le PC sans le retour. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu le hachette de Zinzin qu'elle mettait. C'est vrai qu'elle mettait double hachette, hein. Elle a pas rigolé, hein. Elle est sur le Dwight, ça marche. Ils doivent être à l'intérieur du temple, je pense. Ah non, ils sont là-bas. Je vais la laisser gérer le déhook, nickel. Ok, la murmure amère. Vous avez vu, la hachette, elle m'a frôlé. Hein. Ça, c'est murmure amer. Tu comptes refaire la version remake d'Until Dawn en live, au fait. C'est quand qu'il sort? Ouais, on va le faire. On va faire une soirée spéciale. Carrément, ouais. C'est quand déjà que ça sort? Cette année, Vark, mais il n'y a pas encore de date précise qui a été annoncée. Ok, ça roule. Ouais, ouais, moi je le ferai, je pense. Ouais, une soirée qui fait peur. Il va y avoir de nouvelles fins. Et tout apparemment. Oh ouais, cool ça! Cool! Ça, ça donne envie, tu vois. On fait un remake, mais en plus, on apporte des nouveautés et tout. Bon, c'est le principe du remake quand même, hein, c'est d'apporter des nouveautés aussi. Sinon, c'est juste un remaster. On retape juste les graphismes. Là, si en plus ils ajoutent des nouvelles fins, ouais, il me tarde de voir ça. Ouais, déjà qu'il a plein de fins différentes, et en plus ils rajoutent en plus des nouveautés. Wouah, insane. Merci. Ça sent vraiment la Huntress P100, voire P200. Ouais, ouais, on voit qu'elle a un excellent niveau. Hein. Elle fait aucune erreur. Elle fait quasiment aucune erreur. Après, quand tu vois l'état de la game, regarde. Je trouve qu'on se démerde pas trop mal, ça va quand même. Hein.
c'est honnête, hein. Ah non, attends, il reste deux gènes. Ah ouais, non, en fait, on est dans la merde. Allez, à l'intérieur du temple, ça va être compliqué pour elle. Moi, je suis P2, donc maintenant, je suis un fantôme. Pour le reste de la game. Ah, mais toute ma chase contre elle était compliquée à chaque fois. Hein. Zéro erreur et tout. Elle arrive. Non. Ah, gène de plus. Hein. Bien joué, bien joué. Il reste plus qu'un gène à faire et c'est bon. Découvrir les nouveaux articles de collection, les environnements inédits et parcourir les séquences narratives repensées et qui épaississent un mystère. Cool. Après des fois il marque ça mais il rajoute rien de plus. Ah non, des nouveaux articles de collection. Des environnements inédits. Ouais non, donc ouais. Ok, cool. Environnement inédit, ça veut dire qu'il y a des nouvelles fins et tout, ouais. Ah c'est bien. Cool. Elle est en train de camper je pense, non? Ils doivent avoir adré les deux. Hop, elle a plus des hooks, c'est cool, ok. Elle va slug. Adré, maybe. Oh fuck. Ok, on va voir la porte qui est le plus loin. Il va passer P2 malheureusement. Allez, bisous. Allez, c'est pas grave, ils partent et moi je meurs. C'est cool. Ah, tu peux m'accrocher, ils sont à l'autre porte, ils l'ont ouvert. Ah, c'est bien. Crois sur les bancs qui s'échappent, sur les bancs qui meurent. Allez, let's go. Aucune erreur là, une presse. Oh, zéro erreur en vrai, c'est. Elle sait où je suis et tout. Non, GG, bravo hein. Là, je suis sur un spot où je peux même pas la loupe, je peux rien faire. Si je me sers dans l'environnement, tu vois, pour réussir à l'empêcher d'envoyer des hachettes, même pas, elle est prestige 3 seulement. T'as rien de l'hachette qu'elle envoie, c'est un smurf ça. C'est juste pas possible, excuse-moi, c'est pas... Non. Elle envoie des hachettes beaucoup trop précises. La distance à laquelle elle était, t'as vu la hachette qu'elle a envoyée quand elle a voulu du coup tirer sur la porte? Moi j'ai esquivé, parce que j'ai anticipé le truc qu'elle a fait, mais elle a envoyé une hachette mais monstrueusement précise. C'est... Non, t'as forcément un minimum d'entraînement avec l'Huntress. C'est obligé. T'es pas prestige 3 en balançant des hachettes comme ça, c'est impossible. Ou alors t'as mis un bout de pâte à fixe sur ton écran, ouais. Sinon, excuse-moi mais... c'est pas possible. Merde. Non, il y a de l'entraînement derrière, c'est un smurf, c'est sûr. Et même, c'est même pas qu'une question en plus de viser, tu vois, mais même... elle savait comment agir à chaque fois, tu vois, elle savait qu'à tel endroit ça servait à rien du coup de tenter de lever une hachette. Elle savait qu'à tel moment il fallait juste avancer. Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas un prestige 3, ça. Ouais, on oublie un ou deux zéros, facile, ouais, j'avoue. Les amis, le temps du chargement de la prochaine game, je vais juste me lancer un café vite fait, je reviens.
Je suis désolé. Je suis là. Encore ? Encore la Huntress ? Attends, sérieux, y'a que ça ou quoi ? C'est moi ou y'a que ça dans le jeu là ? Y'a des défis avec la Huntress ou quoi ? Non mais pourquoi est-ce qu'ils jouent tous la Huntress ? C'est parce qu'elle a 7 hachettes maintenant ? Mokono ! Merci beaucoup ! Et Mokono qui vient d'offrir 5 abonnements ! T'es super gentil, Paulet, tu gères. Merci beaucoup ! Merci à toi, Mokono. Merci pour Athena. Merci pour Necha. Galou, Clémence. Et merci pour Godnash. Merci, Paulet. Un grand merci à toi. Pas de défi avec la chasseuse, non, c'est Billy et Caleb. C'est une Huntress Sniper. Je vais aller relever l'autre. Ouah, chaud! Je me suis décalé, comme ça on peut soigner à deux. On le soigne complètement. Elle a un boost pour soigner, non? Ok, tout le monde est bien. Oh, l'autre elle passe en P2. Ok, un survivant P2, début de partie, avec un seul générateur de fait. Ça craint. On va attendre qu'elle s'éloigne un peu plus. Alors que tu cours par là-bas. Je vais attendre qu'elle prenne une chaise. Elle est partie dans le camtar. Run, run, run. Putain. Ouais, tunnel. Vas-y, elle est pas drôle en vrai. Elle a l'avantage de ouf sur la game, mais elle joue comme ça. Vas-y, vas-y, c'est bon. Ça sert à rien de s'énerver. C'est pas grave. C'est triste d'avoir l'avantage sur la game, mais de jouer comme ça, tu vois, instant. C'est triste d'avoir un bon niveau et de jouer comme ça, ouais. Genre direct. Oh, cette vitesse de soin, par contre, on en parle. C'est ouf. Vas-y, fais ton kill. Bravo. Bravo, bravo. Bon, par contre, il y a autre chose que de Huntress dans le jeu. J'aime bien les affronter, les Huntress. En vrai, c'est cool, mais. J'aime bien quand il y a d'autres tueurs aussi, quand même. À la rigueur, le nouveau tueur, tu vois, c'est sympa. En plus, c'est que de Huntress qui snipe super bien. C'est ouf. C'est ça, surtout le niveau du. Ouais, tu vois son niveau, enfin. Je te demande pourquoi elle joue comme ça, quoi. On va aller faire le générateur qui est là. Même Wesker n'est pas autant pique en ce moment. Je te promets, mais c'est ouf! Là, dans ce genre de situation. Ce qui est triste, c'est que les rares chase que tu vas avoir, ça va être pour défendre tes potes. Comme moi, par exemple, tu vois, je suis tombé. Ouais, bah, tu prends pas la chase, sérieux.
efficace. Ok. C'est toi ou le Lion qui a chase au final? Ah, les deux. Les deux, les deux, les deux. Ah, ce spot il est infâme quand tu joues quand tu joues Huntress, ce spot il est infâme. En fait, faut juste attendre le baissage de la palette si le mec en face il joue bien. C'est tu réfléchis pas en fait. Si tu veux aller vite sur ta chase, tu avances bêtement sans réfléchir et t'attends en fait qu'il baisse ta palette. Une fois que la palette est baissée, tu la casses et le spot c'est bon, il est fini quoi. Mais il y a trop la possibilité en fait de réussir à tenir le tueur, donc je pense que le meilleur des moyens de vraiment neutraliser le spot vite, c'est d'attendre qu'il baisse sa palette. Voire de réussir à l'avoir au moment où il fait une erreur quoi. Ça se termine comme ça du coup? Ça se termine comme ça, comment c'est pas étonnant. Ouais. Fin de game, ouais, fin de game. Oh, on l'a un peu tenu, c'est cool. Oh! Les 4%? Bon, ouais, ils seront pas respectés les 4%. Je peux pas te relever, non, je peux pas, il me faut la perque indéfectible pour me relever tout seul. Ouais, salut Benjamin. De Huntress, de sac. La Huntress de tout à l'heure, en vrai, ça allait, hein. Non, mais celle-là, ouais, bon, c'est un peu triste, effectivement, ouais. Bah, il faut que je me mette à un spot où ils peuvent me relever sans subir, sans se manger une hachette derrière. On va essayer de se soigner. De toute manière, là, ça part sur un force log. Dommage, hein. Vraiment de jolies achats, hein. Hein, tac. Je vois plus où elle est. Je me soigne, comme ça je vais peut-être pouvoir les relever. Salut Axel, merci pour les deux mois poulet, tu gères. Un grand merci de ton resub. Ok, il a relevé, mais il y en a un autre qui va, il va tomber. Faut qu'ils arrivent à se séparer, elle retombe instant, mince, mauvais spot. Elle va l'accrocher, ok. Moi je vais essayer de me rapprocher. Petite achète pour le plaisir. C'est Oshi parce qu'elle a ténèbres révélées. Ah, oh, ça passe, putain. Bravo. Allez, 4%. Ok.
Le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr que la personne ne supporte pas subir ça en sur... Ouais, je sais pas, en vrai, non, je pense pas. Chasseuse Prestige 5, non mais... Non mais... C'est quoi ça? C'est le festival des Smurfs sur des BD ou quoi? Bah excuse-moi, mais je suis désolé, mais jamais elle est Prestige 5. Elle a recréé un compte, ça Smurf. Non mais ça Smurf dans tous les sens. Mais moi, en fait, je vais finir par vraiment Smurf. Hein. Je le dis, mais je tombe sur une quantité de Smurf. Hein. Laisse tomber, au bout d'un moment, je pense que je vais le faire aussi. Hein. Ça devient fatigant en vrai. Ça n'a aucun sens. Est-ce que tu as un replay sur ta game de l'Eye of P? Non, malheureusement non, mais on refera une session. On va refaire une session et... Ce que je ferai, moi, c'est que je mettrai la session sur la chaîne secondaire. Tac. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue Yano. C'est Yunsi qui smurf. Non, non, Yunsi, elle a un compte avec 50 milliards de jeux, mais elle le garde. Hein. Elle a pas envie de smurf. Elle est fière de son compte. Salut, thank you. Merci beaucoup pour les 6 mois. Merci, poulet. Comment il va, le petit Lundars? Il va bien? Ouais, 56 000 heures. Un stream DVD spécial skin Resident Evil. Pour les amoureux de la licence. Avec genre Nemesis, Wesker, Blight en Birkin. Légion en Hunk. C'est tout ce qu'il y a, je crois, non? Côté tueur. Hein. En cosplay Wesker, il faudrait que je rase la barbe, c'est mort. Tu veux que je fasse un vrai cosplay Wesker, il faut que je rase la barbe. Et en plus, je peux te le faire easy. Hein. J'ai la touffe de cheveux qu'il faut, j'ai la coupe en fait. J'ai la coupe de Wesker. Moi, j'ai les cheveux plus longs, tu vois. Mais je mets mes cheveux en arrière, je me teins en blond et vas-y, let's go. Hein. Je mets une de soleil. Mais non, non. Faut que je me rase la barbe et je le referai pas, ça. C'est mort. Jamais. Jamais. Never. Never. Oh, punaise, enfin! Je croyais qu'il y avait que la Huntress sur le jeu. C'est un survivant qui a choisi Midwich. Il est taré, mais ok. Vas-y, go, go, go. Je sais pas si mon move était vraiment très intelligent. Oh merde! Non, je déconne. J'ai vraiment fait de la merde. Non, mon move était éclaté. J'aurais dû le laisser prendre le cube en vrai. Je me suis dit tiens je vais baisser, je vais prendre le cube, ça va ralentir et tout. J'ai merdé. Encore un rasage de barre prévu au programme du coup. Non. Un meilleur spear sur cette map, ça aurait été fabuleux. Ça aurait été dur par contre s'il jouait bien. Ça aurait été un enfer. Mais ça aurait pu être drôle. J'ai revu récemment Riser, j'ai revu les deux premiers, ce sont des bons films. Je trouve, ouais, c'est sympa. Le premier, je l'ai vu, je l'ai bien aimé. Le 2, j'ai moins aimé par contre. Le 2, je me suis ennuyé. Mais le premier, par contre, j'ai bien kiffé, ouais.
Ok, deux gènes. Probablement. Il arrive sur nous ou pas? On a presque terminé le soin. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Ah, Didi! Il est en dessous. J'entends un générateur en dessous. Ok, Nancy a terminé son générateur quasiment. Il lui reste un petit 5%. Ah, elle peut pas le terminer. On sait où est-ce qu'il est le gène. Hein. Ah c'est bon, là où c'est le terminé, c'est nickel, bien joué. Tu peux faire Chris dans le vite, il a de la barbe lol. Ouais ouais ouais. Après c'est plus classe Wesker quand même, non? Wesker c'est plus classe. Oh. Ça m'a fait peur. Juste à côté. Oh non non, cours 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 cours. Oh GG. Belle. Par contre ta fixette sur Nancy, c'est pas très intelligent, non? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Pour au final revenir sur moi? Et il fait quoi? Hein? What the fuck? C'est bon, Vadehook m'a pas passé en P2 malheureusement. J'ai pas compris son move. Ouais, P2 et LDHook maintenant. Ah, ça s'est joué à une seconde près. À une seconde près, elle passait pas P2. Dommage. Hein. Il va falloir protéger Yui. Donc ouais, je sais pas pourquoi il fait une fixette sur Nancy, je comprends pas. C'est trop bizarre. Est-ce que t'as entendu parler du projet Résurrection de Friday? Non, j'en ai pas entendu parler. Ils veulent vraiment faire ça? Mais non. Après, ils ont une base de commu qui pourrait revenir, mais bon. Oui, faut pas qu'elle fasse la dingue par contre. Des trucs chelous en vrai. Ok, close le gène, je vais déhook. Ah, parce que je suis obsession, il veut garder ses stacks. Oh, attention au stack de gardon. Bah alors, on perd 4 stacks mon pote, je comprends pas. Je croyais que tu voulais pas perdre 2 stacks, je comprends plus rien moi. Ok, l'autre elle est relevée, c'est nickel, je suis dans la cave par contre, c'est la merde. Est-ce que tu as une idée de quand sort le PTB? Non, on n'a pas de date. Et salut Cynthia, bienvenue sur le live. Bienvenue.
Pourquoi pas faire un bon jeu solo plutôt que de relancer un projet Friday? Parce que ils veulent faire des jeux asymétriques absolument en ce moment, je sais pas pourquoi. Alors que ça va juste se casser la gueule derrière. Ils veulent tous partir sur un jeu comme DBD. Ils ont pas compris que malheureusement il y a que DBD qui peut durer sur le long terme. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai un visu sur les deux spots. Oh. Ça serait bien que Nancy aille récupérer le cube. Et merde. Ouais, Nancy elle a récupéré le cube, il se téléporte sur elle ou pas? Non? Ok, elle a fait le cube. Faut qu'on aille faire le dernier générateur. J'ai été spoilé. J'ai été spoilé par le chat! Kata, merci pour la donation, merci beaucoup! J'ai été spoilé! J'ai raté le chat pile poil à ce moment-là, je crois que sinon j'aurais fait un infarctus. J'aurais fait une attaque sinon, c'est sûr. Merci Paulet. Comment tu vas, la journée se passe bien? Le problème des jeux symétriques qui sortent, c'est que c'est toujours les développeurs qui font un suivi de merde, c'est ça. Le départ est correct et après le suivi est éclaté. Mais franchement, il fait aucun effort, hein. Elle est P2 en vrai, donc on va la laisser au calme. Oh, elle est tombée vite, c'est dommage. Bah en fait, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est pas un jeu asymétrique, c'est une aventure. Quitte à faire ça, go faire un jeu d'aventure. Ça aurait été mieux que Jill reste sur son gène si possible. J'aurais su, je serais resté sur mon gène. Hein. Encore, mais c'est un moulin aujourd'hui, c'est un délire. Oh fuck, il a caché la lumière, bien joué. Ça sert à rien ce que je fais, mais bon. Ah, il est déjà contact. Ah ouais, gardons. Ouais. Gardons, et sûrement il doit aussi avoir, à mon avis, brutalité rapide, je pense, pour arriver aussi vite sur moi. Ouais. Ok, GG. S'il veut pas s'investir sur le long terme, qu'il ne fasse pas de jeu multijoueur, sinon solo. C'est une catastrophe la solo queue. Hein. Bah après les survivants avec moi jouent bien, hein. Moi j'ai fait de la merde aussi. J'ai fait n'importe quoi mais on sort pas, en fait la seule fois on est sorti c'est quand ça farmait. Sinon on se fait démonter. On enchaîne les games, on se fait mais allumer littéralement quoi, c'est un délire. Après ça va, les games sont pas désagréables en vrai. À part la game Huntress de tout à l'heure là où bon, la Huntress a été franchement pas très intéressante à affronter.
Les coups de douleur marchent avec dispositif, ouais. Ouais, ça combotte bien, ouais. Le survivant, en fait, comme il va crier, il va lâcher le gène et bam. Ça se combine plutôt pas trop mal, ouais. Est-ce que t'as checké le dernier DLC de Texas? Non, j'ai même pas checké. Je t'avoue que ça m'intéresse même pas. L'idée même de relancer Texas, en vrai, ça m'endort. C'est vraiment le jeu, pour moi, c'est bon, quoi. Tu vas arriver dans le jeu en pleine méta, ça va juste être chiant. Tu vas rien pouvoir faire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Dès que tu vas tomber sur des survivants ou sur des tueurs qui connaissent le jeu, et qui sont sur le jeu depuis du coup, depuis un petit moment, tu vas être en pleine méta et ça va juste être chiant. Tu vas pas être drôle, tu vas pas t'amuser. Tu t'amuseras seulement si tu tombes sur des personnes qui ont ton niveau ou ton expérience sur le jeu. C'est-à-dire, moi, là, maintenant, si je repars sur Texas, j'ai une expérience, du coup, j'ai mon bagage, du coup, des bases du gameplay, mais j'ai pas le bagage de... J'ai aucune connaissance sur la méta actuelle du jeu et je vais juste m'ennuyer, quoi. Je vais me faire allumer game sur game et dès que je vais choper la méta, après, je vais jouer que de la même manière. Et voilà, et ça sera chiant. Sur des jeux comme ça, ce qui est drôle, c'est justement d'arriver et quand tout le monde apprend, là, c'est drôle, quoi. Tout le monde fait des conneries et c'est ça qui est marrant. Dès qu'il commence à y avoir une méta, tu vois tout le monde jouer de la même manière et c'est bon, quoi. Pour moi, c'est déjà la fin du jeu, quoi. C'est tout le temps le même gameplay, c'est chiant, quoi. Les gens jouent tout le temps de la même manière. Tes games, c'est un copier-coller en permanence. Tu vois tout le temps la même game, en fait. La seule chose qui va changer, c'est la map. Voilà. Et après, tu verras toujours la même game, toujours la même manière de jouer. Et... ouais, c'est chiant. C'est boring! Comment ça c'est que Netherface est toujours dans DBD vu qu'il y a le jeu Texas? Oh, parce que ils ont conservé la licence, c'est bien. Ça leur fait de la pub. Y'a pas de raison qu'ils perdent la licence, tu vois. C'est au contraire, même, c'est bénéfique pour eux, tu vois, d'avoir la licence quoi qu'il arrive. On va aller jouer en tueur, ça continue. Mais je pense que ce soir, mon avis, c'est ce qu'on va faire. On va aller jouer en tueur. J'avais commencé Hellraiser grâce à Dead by Daylight. Ah, vous êtes nombreux à avoir connu certains films d'horreur ou certains classiques grâce au jeu. Il y a pas mal de personnes qui connaissaient pas Stranger Things, tu vois. Notamment. C'est ça qui est drôle. Ah, ça fait du bien de se poser. Bon, désolé, la musique était un peu courte. Ouais, tu connaissais pas le bureau ? C'est pratique, hein. Blight. Faut que je répare celui-là pour diviser la map en deux. Ok, deux survivants déjà blessés, un down, il va l'accrocher. Je vais me manger les côtes de douleur, je pense. Le peu de progression qu'on aura. Ah non, c'est l'autre qui va se manger les côtes de douleur. Voilà. Ça, tu vois, c'est pareil. C'est... quand t'enchaînes des games et que t'as tout le temps les tueurs qui ont les mêmes perks, au bout d'un moment, c'est saoulant, tu vois. Tu vas pré-shot toutes les actions qu'il va y avoir dans la partie. Tu sais déjà que le tueur va jouer de telle ou telle manière. Et la game, en fait, t'as l'impression que c'est un copier-coller d'une autre game que t'as déjà vécu. Quand on arrive là, c'est que t'as trop joué au jeu. Ou alors que t'es un MMR, en fait, on va dire... en haut MMR ou en MMR, on va dire, moyen plus-plus. Un MMR avec des personnes, en fait, qui se croisent en permanence, tu vois, toujours le même type de gameplay, quoi. C'est inévitable au bout d'un moment si tu joues beaucoup au jeu. Salut Vaya! En ce moment, j'ai pas trop le temps de faire un coucou en live, mais je look toutes les rediffusions sur YouTube, yes. Au passage, Marco, j'adore ton skin Dwight. Alors Marco, elle est pas là, mais elle sera là vers 16-17h à peu près.
Le skin Dwight. Ah, tu dois parler du skin Dino, c'est ça? Ouais, il est trop mignon son skin, ouais. Ouais, j'aime bien aussi. Le Dwight avec son look de dinosaure. Ah, c'est stylé. On va à peine avoir le temps du coup de faire le gène. On va se prendre un coup au passage. Nice. Ah oh, merde. Ça aurait été intéressant qu'ils mettent un coup à moi. Et qu'ils me prennent en chase moi parce que là, bah l'autre il est P1. Let's go. Ouais, le dino il est cute, hein. Ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est un skin de troll, ça. Et le futur jeu asymétrique Killer Clown, je ne sais pas si tu as vu. Ouais, j'ai vu, il y a Killer Clown, il y a... Il y a quoi d'autre? Il y a Carnival Hunt. Ah ouais, non, ils en ont prévu pas mal. Oh là, ça va durer 2-3 semaines, comme d'hab. Donc en plus, c'est pas des licences, tu vois. Donc ça va ramener la communauté asymétrique. Il va pas rester sur moi, je pense. Il va taper, il va aller sur l'autre. Ouais, voilà. Putain, c'est dingue hein, de lire dans le jeu comme ça. Ouais. Ah, voilà. Voilà comment tu deviens aigri du jeu, en fait. Si tu vois tout le temps la même chose, tu sais exactement ce qui va se passer dans la partie. Tu connais les perks du tueur, tu vois déjà comment il joue, tu sais ce qui va se passer quoi. Killer Clown, c'est ceux de vendredi 13. Ah putain. Ah bah c'est mort mec. Vous pouvez pas baisser la palette? Sûrement que le body du killer lui bloquait l'accès. Ouais, ça doit être. C'est que ça, hein. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Pour moi, il y avait la distance pour baisser, mais des fois, le jeu il dit non. Il y a des travaux chez moi. Non.
Et merde. C'est du coup la P2 pour Varg. Ok. Y a pas mal de bugs avec les palettes. J'ai l'impression que si le tueur est trop près aussi, tu peux plus la baisser. Ouais. Ouais, si ça doit être des bugs, ouais, peut-être. Ah, Feng, faut que tu te bouges. Feng. Ouais, c'est dead. Désolé pour les travaux. Je savais pas qu'il y aurait des travaux aujourd'hui chez moi. Je suis pas au courant. Le mec, il vit pas chez lui, tu sais. J'étais pas au courant. C'est quand même honteux, hein. Oh, deux dents. Bon allez mon pote, go se donner, ça sert à rien, on pourra pas... Le match était tendu en vrai, on a bien résisté quand même, ça va. Allez s'il te plaît, prends la trappe. Le boss ! Bien joué. Allez, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Dommage. Allez, GG. PTB demain. Salut, Juju. On n'a pas de news. Je sais pas, peut-être que t'as des infos qu'on n'a pas. Mais en tout cas, moi j'ai pas de news par rapport au PTB, mon poulet, non, je sais pas. Bon, elle était bien la game. On s'est fait laver, mais elle était bien. Ça va, c'était pas trop mal. Non, l'update sera pas. Non, ça sera pas décalé, ça par contre. Si, là, ils viennent de tweeter. Ah ouais, sérieux? Ils ont dit demain du coup? Salut X, bienvenue sur le stream. Merci, merci du follow. Regarde sur X. Non, non, je te fais confiance. Ils ont annoncé l'heure ou pas? Ils ont juste dit que c'était demain? S'ils ont juste dit que c'est demain, ça veut dire que ça sera à 17h. Il était trop bien le dernier patch note avec tous ces changements, franchement. Attends, demain on est quel jour? Demain on est quel jour? On est vendredi? Ah, ils font chier. Ouais, c'est demain du coup. PTB devrait sortir ce matin. Ce matin? Ils vont le sortir demain matin? C'est aujourd'hui le PTB? Bonne nouvelle, la version 7.7.0 PTB est en route et devrait sortir ce matin.
Ok. Donc ce matin, 17h. J'allais dire, ils sont bourrés les devs ou quoi? Mais en fait, non, chez eux, il y a 6 heures de décalage. Logique. 5 ou 6 heures. Nous serons sur Discord à 10h, donc ok. Oh, on s'en fout de leur truc Discord pour vous donner un aperçu des mises à jour. Oh, ils gonflent avec leur truc. Balancez-nous le PTB direct en vrai. Ils sont chiants avec leur truc Discord là. Et ils vont nous faire à chaque fois maintenant un live, tu sais, à chaque fois pour nous présenter le truc. Putain, laissez-nous découvrir par nous-mêmes. Ils sont chiants avec leur truc, sans déconner. Ouais, carrément, bah oui, on fait le PTB direct. Let's go. J'avais pas prévu de le faire, mais c'est très bien. Wesker. Belle surprise. Ouais, j'espère aussi que la thune va être bien réussie. J'espère que ce serait pas trop cheaté par contre. Ça me fait quand même peur, tu vois. Victor, s'il est bien joué, c'est le hit, il passe à tous les coups, tu vois. Ça risque peut-être d'être frustrant, je sais pas. Faut voir. Je vais prendre la prochaine chase. Apparemment, non. Bon, je vais des hooks. Ce qu'on disait avec Lazim, c'est que Victor, effectivement, bon bah Victor, c'est... Il faut pré-shot la palette quoi, et après comme ça le spot s'est débloqué, et après avec Victor c'est compliqué de faire quelque chose contre le surf quoi. Mais si t'es sur un spot où il n'y a pas de palette, où il n'y a pas de fenêtre, bon bah... Il peut te down très facilement quoi. Il peut te... Ouais, t'as pas grand chose pour défendre quoi contre lui. Ça, il te fonce dessus, bam, il dash et hop, on en parle plus quoi. On marque même si la palette, hein, il passe par-dessus. Il jump dessus et hop. Non mais te montre pas, il va revenir sur toi. Putain, mais sérieux. Ah ouais, mais... Je te protège, quoi, mais... C'est... Enfin, putain, mais... Je sais pas, active le son sur le jeu, non? Je sais pas. C'est... Active le son, putain, Feng! Merde! Elle est P1, donc le problème c'est que s'il retourne sur elle, il va à la tunnel. Ah, elle s'est fait choper quand même, mais non, mais... Putain, mais je joue avec qui, sans déconner? Ils veulent pas jouer, les survivants qui jouent avec moi, non, c'est... Enfin... Ah, ils veulent pas jouer, je pense. Je pense qu'elle veut pas jouer au jeu. Il va remettre un pop sur le gène. Bam. Ah, j'ai envie de déco. Ah, j'ai envie de déco. Ah, j'ai envie de déco la game. Mais oui, on sait que tu prends la fenêtre, ok. Tiens, vas-y, mange la palette, ça va te calmer un peu. Nickel! Ok, je le mets ici, le déo. Je me soigne, tranquille. Mais attends, le hit, il passe jamais, le hit. Le hit, là, qui m'a mis, là, le MA qui m'a mis. Jamais il passe, j'étais au bout de la fenêtre! J'étais à l'autre bout de la fenêtre! Jamais ça passe, ça! Allez, Feng, vas-y. Bon vas-y, tu Feng en vrai, on est sur un 3v1 de toute manière.
Et il repart sur Feng, il sait qu'il va l'avoir aise. Ah ouais, non, elle m'a saoulé, Feng, elle est pour rien, même. En vrai, elle m'a saoulé. Il démarre à tirer sur moi, il fait vas-y, flemme. Alors que je suis blessé, je suis dans la merde. Il n'a que pour Feng, vraiment, je suis jaloux. Hein. Elle a pas pris sa P2. Je me casse. On se soigne, vas-y, go. Il va avoir Feng, il va lui foncer dessus, je suis sûr. On parie combien? Non, il a pas vu? Ok. Non, il vient pas. Ok. Elle a Ouroboros sa balle. Ils sont où là? Il m'a juste contact, je crois qu'il lâche l'affaire. Je vais aller me vacciner vite fait. Merde. Comportement bizarre, mon pote. Hein. Tu viens sur moi, mais tu t'en vas. Ouais, bon. On lui a fait faire un petit aller-retour. Par contre, on n'avance pas sur la sur les générateurs. C'est cette game, c'est une dinguerie en fait. Tu peux. Là, tu vois, je peux donner tout ce que je veux. Je peux tenir le tueur et tout. Vraiment, la game, elle est perdue quoi. La game, elle est perdue d'avance quoi. La game, elle était perdue avant même d'avoir commencé, tu vois. Ça sert à rien en fait. Enfin, je le fais quand même jusqu'au bout, tu vois, mais. Mais je vois qu'on a, on a zéro à... Ouh. Ça par contre, ça fait plaisir. Ça c'est un peu le signe, tu vois, que à mon avis... le signe du destin, tu sais, le destin qui nous dit, ouais. Vas-y, mon chat, ça va te calmer. Et il vient pas. Zoldyck qui a offert un sub à Evelyne. Merci Zoldyck. Merci pour le sub offert, poulet. Et dire que tu es le tueur. Et dire qu'il est le tueur le plus dur à jouer. Le plus joué. À un moment, il avait disparu, le xénomorphe était le plus joué, mais bon, les gens reviennent vite sur lui. De toute manière, xénomorphe, c'est pas intéressant à jouer. Enfin... Je trouve pas personnellement que ce soit très intéressant à jouer.
Ouais, Xenomorph, je sais pas, je trouve ça boring à jouer en vrai, c'est... Bof bof. Allez, bravo, première fois que tu m'accroches, mon pote. Didi. Entraînant de Chase, l'autre effet son GN. Ok, fin de partie. Ah, c'est bon? Eh bien? Ok. À quoi un DLC Resident Evil 4? Mais il est sorti le DLC Resident Evil 4? Vas-y, ah, go, go, Gen Rush. Ouais, c'est la fin. Et merde. Allez, bisous. On slack pour les 4K, je pense. Moi je joue Pyramid Head, je déteste ce qu'ils font. Je déteste ce qu'ils font avec le Xenomorph. Je suis déçu pourtant. J'aime tellement ce monstre. Insupportable à affronter ce tueur. Moi j'ai pas eu de problème avec le tueur en particulier, c'est juste bah là, enfin tu vois l'état de la game, enfin. Malheureusement, j'ai beau tout donner, ça avance pas sur les gènes. C'est malheureusement c'était n'importe quoi. Mais après écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. À tous les coups, souvent, c'est moi le PU qui fait de la merde aussi, donc bon, j'ai pas le droit de me plaindre. Mais là, vraiment, enfin, c'était... Là, la game, elle était un peu triste, quoi. Je pense pas qu'elle était très compliquée à win. Ouais, elle était pas non plus si compliquée que ça à win, c'est dommage. Mais bon, allez, tant pis. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Myers. Myers? Ah oui, c'est vrai qu'ils veulent le rework. Ouais, ouais, il y a cette idée là. Ah, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Pour moi, Myers, il faut pas le toucher. Pour moi, Myers, enfin, je sais pas, non, il y a rien à faire sur lui. C'est bon, Myers, il est bien comme il est, quoi. Il a plein de gameplay différents et tout. Enfin, j'ai... Vu comment ils sont en train de changer le jeu, là, ça me fait un peu peur, là. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'ils mettent, tu vois, sur beaucoup de survivants, les add-ons dans le kit de base du tueur. C'est ce qu'ils font sur les tueurs en ce moment, genre, tu vois, mettre deux hachettes de plus pour la Huntress, lui enlever les hachettes, lui enlever la possibilité d'avoir des hachettes en plus avec ses add-ons. Enfin, ils font des trucs comme ça, et moi, ça me plaît pas trop, ça, tu vois. Je trouve que ça enlève, en fait, ça enlève de la diversité de gameplay avec les tueurs via les add-ons. Et ça, je trouve ça dommage. C'est bien d'avoir des add-ons qui changent le gameplay du tueur. Ouais, je suis pas trop fan de l'idée là des changements qu'ils apportent avec ces reworks là. Donc j'ai un peu peur. Je vais aller dodo avant de reprendre le taf. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. A plus Axel. Bonne journée à toi. Salut, tu es tout seul. Surtout pour Myers, lui qui est dit perso. Qui
figure est le perso qui peut le plus changer en fonction. Mais c'est ça en fait, c'est ça qui est trop bien avec Myers. Tu changes deux add-ons et bim, t'as un tueur différent en face de toi. Enfin, on s'est compris. T'as un gameplay complètement différent. C'est toujours Myers, mais il joue d'une manière différente. C'est génial. C'est, j'ai peur en fait qu'il change ça. En mode, oui, nous voulons que vous soyez sûr du coup d'affronter Myers toujours de la même manière pour que vous ayez les armes pour vous défendre contre lui. Putain, mais non, vous allez nous enlever un des trucs les plus fun du jeu. Et là, je dis ça des deux côtés. Je dis ça autant côté survivant que côté tueur. Des deux côtés. Si vous enlevez cette possibilité en fait de devoir analyser ce qui va se passer dans la partie quand t'affrontes un Myers, et donc de toujours avoir le Myers qui sera, de la même, qui sera affrontable de la même manière, c'est naze. C'est naze. Ça va en plus casser un truc qui est mis en place dans le jeu depuis le début de DBD, parce que Myers c'est la première licence qui est arrivée, et c'est une licence qui est arrivée sur la première année de Dead by Daylight, si j'ai pas de bêtises. Du coup ça serait vraiment enlever un truc qui fait partie des racines du jeu. Ça serait d'une tristesse. Vraiment. Salut Dr Vador, merci. Zonax, ouais j'ai vu. On aura un PTB vers... vers 17h je pense, à peu près. C'est cool ça. Tac, moi je vais le mettre dans le titre comme ça c'est fait. Allez, PTB à 17h aujourd'hui. Let's go! Bah du coup, Isaac, bisous quoi. On a trop de trucs à tester. Ils veulent surtout apporter de la diversité dans le jeu des add-ons. Ça fait 4 ans que tout le monde joue uniquement avec les deux mêmes add-ons. Ouais. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Après, tu vois, Myers, le problème, c'est que bah, y a déjà de la diversité avec ses add-ons. Donc pourquoi est-ce qu'il va être rework? C'est ça le truc. Tu vois, Myers, y a pas besoin vraiment de toucher pour moi. C'est Myers, il faut le laisser tel quel. Y a de la diversité avec ses add-ons. Ce qu'il faut, c'est que tous les tueurs aient de la diversité avec les add-ons. Après, il y a des tueurs, bah je suis désolé, mais... Tu vois, le pouvoir du tueur, bon, c'est compliqué d'apporter des nouveautés avec les add-ons. C'est pas forcément toujours simple. Moi, je reviens de la sortie du chien et j'entends changement sur Myers. Ouais, mais c'est pas pour tout de suite, ça sera pour plus tard. Salut Francis. Vas-y, tu sais quoi? Hop. Ils veulent faire quoi? Je sais pas encore. Ils l'ont pas encore annoncé. Mais c'est prochain, ça sera le prochain chapter. Mais c'est du coup le truc qui va être fait cette année, ouais. Arrivé au graphique sur Myers. Ils l'ont changé, je crois, non, déjà, entre temps. Quand ils ont changé la nurse. Quand ils ont changé le modèle de la nurse, je crois qu'ils l'ont changé, non? Salut l'IRCAM. Ouais, la chaîne elle est cool à jouer. Hein.
C'était vraiment cool d'Irkam, jeu d'horreur ce matin. Ouais, j'ai stream Circus of Team Team si j'ai pas de bêtises. Je mets la vidéo sur YouTube demain si jamais. C'était cool, on s'est bien marré. Ah, c'était sympa. Salut Sarah! Donc ouais, dans une petite heure, on a le PTB, c'est bien. Oh, belle map. Ah oui, c'est là, non. Bon, ça va en vrai. Salut mon pote, ça va? Y'a pas de crochet derrière, ils sont sérieux? Le crochet le plus proche il est ici, donc tu vas au bout de map. Et t'es dans la merde quoi. Ils abusent un peu quand même. Salut. Oh non. Oh. Je crois qu'elle a un petit peu paniqué. Oh, elle m'a fait peur, j'ai cru qu'elle avait une flash. Paf. Alors... Hey, salut mec, ça va? J'ai l'impression d'être hyper fin alors que non. Non. Waouh, t'as eu chaud. Mm-hmm.
Oh mince, je t'avais pas vu. Désolé. Ça va aller? Je crois qu'elle souffre. Ça a été up, Billy? Ouais, ça a été up, ouais. Oh, ça fait longtemps que t'es pas revenu sur le jeu, mon poulet. Oh, bonjour. Je fais une vidéo dessus si jamais tu veux voir. Petite vidéo, on explique le up du petit père Billy. Ah ouais, ouais, il a pris un sacré up, ouais. Ouais, je trouve aussi que c'est un des meilleurs up qu'on ait pu voir, effectivement, ouais. Oh merde! Faut que je la prenne de manière vraiment droite si je veux pouvoir après faire le move. Oh, je fais de la merde. Il reste encore 4 gènes, c'est chaud. Ça aurait pu être très chaud, hein. J'aurais dû poursuivre. Ok, ok. GG. Ils ont vraiment abandonné ce générateur, définitivement. Elle est partie où la miss? C'est la deuxième fois qu'on l'accroche, il me semble. Il va passer P2 aussi. Raté. Yep. Les comptes sont bons. Salut. Ah, non.
c'est pas vrai. Allez, zou. Merci. Mais non, mais merde! Mais putain, mais... mais bouge-toi, nom de Dieu! Putain, défectible. Allez, ici l'autre. Donc c'était bien un indé qu'elle avait, elles avaient deux indés. Ouais, c'était bien un indé qu'elle avait. Ok, ok. 50 balles PayPal. Pourquoi? Pour faire la modération? C'est ça, Valk? C'est un peu la dèche, moi, si je suis désolé, poulet. Je peux faire un crédit? Ah putain. Après quand je vois ils se font ce qu'ils sont fait avec le montagnard, je me dis qu'ils vont peut-être faire un truc sympa avec Myers. Ouais mais... Je sais pas, non, pour moi Myers faut pas y toucher. Il est bien tel quel. Alors t'as pu tester Content Warning tout à l'heure? Non, j'ai pas testé, vous voulez? Ah, j'ai pas testé. You'd better be careful. Naughty. Non, non, j'ai pas testé. Le fameux Naughty Beer. Salut Firehorse, ça va ou quoi? J'ai joué ce matin à un Circus Team Team.
toujours dans ta période, tu spams, tu vois, parce que je t'amuse pas en survivant. Bah, j'ai beaucoup joué en survivant ce matin, tu vois. Enfin, ce matin, ce début d'après-midi, pardon. J'ai fait, je crois, une dizaine de parties en survivant. Et ça allait, tu vois, les games. Mais bon, c'était pas non plus incroyable, quoi. On a des tueurs qui se démerdent pas trop mal. Et je pars avec des survivants. Bon, je fais partie des survivants éclatés aussi, hein, mais. Il y a des games où le tueur il veut pas venir sur moi, il y a des games où je tiens pas trop mal le tueur, mais au final les survivants ils avancent pas sur la répa. Et du coup on se fait un peu rouler dessus en permanence quoi, donc c'est un peu... la solo queue en vrai elle est un peu déprimante hein, on va pas se mentir. Salut Yohan. Ça va ou quoi poulet? Du coup ouais c'est un peu déprimant. C'est... comme ça. T'irais voir TMP au passage. Firehorse. Mais MP où ça? Sur Twitch. Mais MP sur Discord. Sur OnlyFans. Oh, oups. Sur YouTube. Mais MP où? Discord, tu t'avais envoyé un petit jeu. Ah, et c'est Camille qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle pouvait m'aider pour Isaac. Trop gentil. Camille m'a envoyé un MP hier, elle me fait « Ouais, si jamais t'as besoin d'aide pour Isaac et tout, t'hésites pas. Hein. » Elle a 0 heure au compteur sur le jeu. Oh bordel. J'ai compris, d'accord. Mais non! Mais non, Firehorse! C'est quoi le nom du jeu? Je vois pas ton MP. J'ai pas reçu de MP, Firehorse. Ah si, réveil. C'est ça, réveil. Ouais, mais réveil, t'inquiète, j'avais vu. Mais j'ai peur que ce soit un peu long et chiant. C'est ça qui me fait peur avec le jeu, tu vois. Merci, Dirkam, je te jure, je suis trop content. Ah ouais, le Dead God d'Isaac, là, il fait trop plaisir. Ah putain, j'ai redémarré une nouvelle save, je suis en train de la sécher, tu t'imagines même pas. Bon, en ce moment, je joue un peu moins parce que je bosse sur un autre, sur un projet... J'ai un petit projet perso en ce moment, du coup, sur lequel je bosse. Donc, je joue un peu moins, quoi. Mais, non, franchement, cool. Ton lien OnlyFans, envoie-moi, ça m'intéresse. Non, mais je fais pas ça, moi. Non, désolé. J'ai pas de OnlyFans, c'est pour troller. T'as mis beaucoup de temps, bien géré, pour ta caméra sur DVD ou pas? Ouais, ça m'a pris un peu de temps, ouais, au début. Une fois que tu maîtrises la caméra, après, sur les jeux asymétriques, de manière générale, ça va, tu t'en sors bien. Après, si t'as déjà l'habitude de jouer à des jeux à la troisième personne comme ça où tu dois gérer ta caméra, si t'as l'habitude, sur DVD ça va aller vite. C'est un coup à prendre. C'est comme te déplacer sur un roguelike sur Isaac par exemple. Si tu fais d'autres roguelikes, quand tu vas arriver sur Isaac, tu vas pas avoir spécialement de mal, tu vois, à gérer du coup la maniabilité de ton perso quoi. J'ai l'impression qu'ils sont. Ils ont baissé son bruit quand il fait bao au début, j'ai l'impression. Non? Peut-être dans ma tête, je sais pas. Payer combien je sors la CB. Salut, ça va? Oh non, c'est dommage. C'est pas bon signe! Oh merde! Ah, c'est ballot. Allez, et de deux. Mmh.
Oh, nice. Salut, ça va? C'est fort la basement avec le trappeur, hein, vous avez vu? Je trouve que ça n'a aucun sens perso. Vraiment, pour moi, ça, le basement, en vrai, avec le trappeur, c'est vraiment trop fort, quoi. Après, ils ont fait n'importe quoi aussi, on va pas se mentir. Pour le coup, ils ont fait n'importe quoi. Corbeau qui vient de s'envoler par là-bas. Nice. Non, désolé. Bon bah voilà, hein, c'était rapide. Oh merde. On a même pas pu faire un mori de la game, c'est terrible. On a fait qu'un seul trap, deux traps avec celui-là. Deux traps de la partie. Ouais, trois traps. Néa aussi essaie de manger un trap, pardon. Ah, c'était rapide. Hein. 16h22. Putain. Elle a duré 7 minutes la partie, je crois. Hello, Norton. J'ai déjà fini mon café. C'est terrible. Bon, du coup, c'est quoi le plan? Spectre? C'est vrai que ce build il est cassé avec le spectre. On va enlever ça. À la place, on va mettre le tour et jouer. Tac. Et tu en penses quoi du up de la piggy? Ah, c'est très bien, c'est vraiment cool. Il lui fallait ça, hein. Ouais, je valide. Je trouve que le hub de la piggy est bien. Je suis pas un tueur fort en vrai, donc... Si on l'encourage du coup à utiliser un peu plus son pouvoir pour réussir à win des chase et des 1v1 sur certains spots qui sont... Donc tu peux utiliser le pouvoir, c'est bien, ouais, je trouve ça cool. Ah, ça y est, c'est bon. J'ai trouvé la donne que je voulais, c'est cool. Un peu de musique, je reviens les amis.
L'inconnu, je suis fan. Ah, j'ai fait une vidéo, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. J'ai fait une rotation miroir, j'ai fait une vidéo gameplay avec sa sortie, j'ai fait une vidéo du coup sur le PTB. Il y a 3 ou 4 vidéos sur l'inconnu. Il y a même une vidéo où on l'affronte. J'aime beaucoup. Très sympathique comme tu vois, je trouve. Putain, il faut que je remplisse sa bouteille d'eau. Je suis desséché, c'est terrible. J'avais mis Nadon pour venir ici. Ah ouais. Ok. On va se manger de la palette les amis, vous êtes prêts? Salut, ça va? Ok, va au fond. Nice. Attends. On est reparti par ici. Elle sait pas qu'elle peut être au fond, par contre elle a été tombée. Oh mince, c'est ballot. Ah ouais, c'est ballot, dommage. Aïe aïe aïe. Ah dommage, on perd le gène. Un gène plutôt important en plus, qui vient d'être tombé. Par une survivante blessée. Cool. Ok, pas de problème. Allez mon pote. Nickel, merci. Merci, merci. Parfait. Allez, il faut qu'on continue du coup. On a éliminé plein de palettes, c'est cool. Ça marche plus, je suis désolé. Ah mais ça marche plus. Ouais, je sais, je sais. Terrible. Ah mais non mais tu vois, non mais c'est dégueulasse en vrai. C'était trop bien quand ça marchait ça. C'était tellement satisfaisant.
Ouais, les interactions avec les flashs, c'était trop bien, c'était la base. Allez, on se bouge! Putain, c'est pas possible. Elle veut plus jouer. Ça l'a saoulé, je crois. Y'a rien ici. Ouais, je crois que ça bosse au-dessus, là. Un petit pop. Ouh, ça bosse bien, même. Oh oui. Attends. Il est par là, du coup, non? Qu'est-ce qui fait suivre les artistes durant toute la partie? Ouais, ouais, l'artiste pendant toute sa game. Oh merde. Le pire, c'est que je... Non mais attends, j'ai que 3 accrochages. Ah, putain, le pire, c'est que j'ai que 3 accrochages et ils sont déjà en train de total give up en face. Vous avez vu? Genre, ils total give up alors que j'ai que 3 accrochages. Enfin, ça va. Je comprends pas. Bon, 4 maintenant. 4 accrochages, mais ça total give up en face. C'est ouf. Ils veulent pas jouer, quoi. Ok, la seule qui veut jouer, elle est là-haut. Je vais aller la voir. Ah, le mental, je te promets, hein. C'était quoi l'idée? Bah, ouais, enfin, c'est... je comprends pas. Dis-moi, c'était quoi l'idée de base? Merci. Après, c'est peut-être leur plan, hein. Des dardes. Peut-être que c'était leur strat, tu vois, de faire genre pour apitoyer le tueur pour gagner la game. En mode big brain. Je sais pas. Si c'est le cas, ça a marché en tout cas, bravo. Salut, c'est Daxo. Non mais voilà, non mais ils sont sortis sans la sauver. Et l'autre est mort. Non, c'est bon. J'ai cru que la barre avait disparu. Désolé. J'ai cru que la barre avait... Non mais putain. Les deux ils sortent sans la libérer, quoi. Mais ils ont bien vu, putain, que je trollais. Enfin, ils ont vu que je les laissais gagner. Non, ils ont pas vu. Non mais c'est pas possible. Ah.
c'est vraiment parce que j'ai fleur de l'esprit. Hein. Tu peux sortir des pépés avec des bots ? Je comprends pas la question. Je comprends pas la question, Poula, je suis désolé. Bah, ils ont give up instant, ouais. On a démarré la game, ils ont give up direct, du coup, ça m'a. J'ai laissé tomber. Je fais ok, ok les gars, pas de soucis. Du coup, j'ai give up moi aussi. Ça va, Marco, ça s'est même passé la journée? Comment tu vas? Ouais, il était marrant le jeu de ce matin. Il était drôle. Ouais, il était drôle. Il demande si tu peux faire de la costume avec des bots. Ouais! En fait, les bots, tu peux. Là, en fait, quand tu pars en partie personnalisée, tu peux mettre 4 bots contre toi. Ouais. Comme ça, tu peux tester le tueur que tu veux. Ouais, ouais. J'étais libéré à 16h. Trop bien ça! T'es en week-end en plus, c'est trop cool! Tu bosses pas demain? Nickel! Je hais les give up. Ouais, ouais, je comprends. Hein. Ouais, c'est pareil. Hein. Après, bon. Je t'avoue que ça me choque plus maintenant. Parce que je suis un peu en mode je m'en fous, tu vois. Il y a le PTB qui va arriver tout à l'heure, donc en vrai, je suis content. Donc si give up, bon, bah tant pis, écoute. Au final, tu vois, personne n'a été pénalisé. Ils ont été deux à give up, j'ai fait ok, allez. Bah, d'habitude c'est pareil, hein. D'habitude ils give up, je les punis et je les slug à mort ou autre, tu vois, mais... Oh. Ouais. Ouais, y'en a qui aiment pas ça, Asko, ouais. Mais en fait, y'en a, ils trouvent même ça cancer carrément, tu vois. Après, bon bah, on est tous différents, hein. Enfin, là, ils vont préférer affronter une nurse jouée par un gros tryhard que d'affronter un Myers P1 qui va être joué par quelqu'un de chill. Ouais, on voit tous le fun. On voit tous le fun, tu vois, à sa manière, quoi. Hein, c'est... Moi, perso, la nurse, je m'en passerai. Myers P1, ouais, ouais, tous les jours. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hero Major. PTB à 17h. Par contre, en perso versus bot, les tueurs silencieux sont repérés instant. Par les bots. Et si un bot trouve une lampe torche, on oublie la chasseuse. Et là j'y arrive, ça me saoule. Oh, ok, nickel. Faut que j'arrive à le faire ce move. Hein.
Faut que j'arrive du premier coup, hein. J'entends un survivant sur ma gauche. Ouais, y'a personne. C'est calme. J'ai pas de sbire. Je vais pouvoir le récupérer dans quelques secondes. Ouh la vache. Elle a pas la palette. Oh, c'est bien joué ça. Viens tanker un coup. Ok, nickel. J'ai perdu trop de temps par contre, j'ai vraiment pas été bon. Aïe aïe aïe. Salut Mathis. Ça va? Tu vas bien? J'ai vu ton short avec les QTE. Ouais, le short il a fait 1 million de vues sur TikTok, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est tu te casses la tête à faire des clips sympas, tu sais, des fois, et... à faire un truc sympa, tu vois, avec une musique et tout, tu vois, un petit montage. Ouais, ça fait 5000 vues. Tu fais un truc à l'arrache complet, tu t'en fous. Ça fait 1 million de vues. Ouais. Je cherche plus à comprendre TikTok, de toute façon. On va faire ça comme ça, bim. Ouais, bien joué ça. Nickel ça. Ah, elle a plus rien ici, elle est morte. Putain, mais je gride. Ah, je suis très mal sur cette partie donc. Putain, les notions de distance, Varg, sans déconner. Bah alors, les notions de distance, putain! Tu grides encore plus que sur Isaac, je te jure, c'est terrible. Comment ça? Le mec qui percute après, c'est une demi-heure après. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bien joué. On va casser, hein. C'est un spot infâme. Pas les yeux en face des trous sur cette game, je suis vraiment n'importe quoi.
Nice. Elle est tombée dans la cabane, je crois. Ouais, elle a déjà relevé. Ok. Si t'as saboté aussi, c'est peut-être pour saboter le crochet qui est en face. Non, il est pas là. Il y a le corbeau au fond qui s'est relevé. Qui s'est envolé, pardon. On va pouvoir pop son gène, let's go. Spring Burst. Ah, tu pensais que j'allais prendre la fenêtre, hein? Bon, on perd un générateur là-dessus, je pense. Peut-être même deux. Il nous faut un kill. Hein. Le générateur, il reste toujours là, je pense. On va pas assez vite. Ça me le fait qu'avec ce tueur en vrai, aujourd'hui. Ok, on va pouvoir voir s'il y a quelqu'un autour. Non, il n'y a personne. Putain, elle a vraiment du mal par contre. On perd le gène, mais on a un kill. J'ai déployé l'histoire d'avoir un survivant qui se fasse chase si jamais il y avait une tentative de flash ou autre. Ça peut faire le café en vrai. Allez, les générateurs tombent sous nos yeux. Non, même pas. Choqué. Il est dehors, non? Sur le rebord de la fenêtre, vous avez vu? C'est un délire, j'ai jamais vu ça. Ça fout les boules. Ah, le hit stoppé net sur la partie, c'était la partie droite de la fenêtre. Aïe 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 aïe.
passion Boon Totem, je vois, dis donc. Bon. Attends, mais elle est où? Yes! Il l'a. Hop là! Bim! Allez! Sur le crochet. Oh, P1, P3! Ah non, c'était P2. Non, c'est l'autre qui était. Il y avait une des deux qu'on n'avait pas encore accroché de la game. C'était l'autre. Mais bad. C'est la danse de la victoire, désolé. Petite danse de la victoire. Il est quelle heure? 52? Ok, mes amis, dans 8 petites minutes, même pas, on a un petit PTB. Ça va être cool.